Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Moins besoin, on a un autre niveau. Alléluia, gloire à Dieu. Lumière et paix à chacun de vous en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous saluons-nous dans le très précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui-même qui fait nos grâces, nous capables de retrouver nous encore une fois sur le réseau Light and Peace Ministry pour nous étudier parole bon Dieu, car à chaque fois que l'heure s'arrivait, c'est une heure qui est consacrée à l'étude de la parole de Dieu. Donc, disposez cœur, mes bien-aimés, pour nous capables d'inviter le maître de la parole. S'il a qui ces paroles-là même avec une bonne place dans mi-temps nous, afin que l'État capable de diriger le moment ça que nous allons passer dans l'étude parole, bon Dieu. Merci Seigneur. Prions le Seigneur. Adorable Père Céleste en Jésus. Papa nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons le nom. Nous vous merci pour parole, merci pour amour, pour bonté, pour fidélité. Parole qui c'est vérité, parole qui c'est une lampe, parole qui c'est une lumière. Et c'est vous-même qui dit non, papa, peuple a péri par faute de connaissance. Seigneur, ou dit non, connaissance là, qui c'est vérité, les nava connaît, la va affranchir nous, la va ban nous liberté. Et ou dit nous, Seigneur, sans vous, nous pas qu'à faire rien, nous besoin présence ou à soi. Nous besoin présence ou dans moment ça, esprit de vérité. Qui pour venir conduire nous en toute vérité, pour que parole est capable d'étudier en toute vérité. Esprit d'intelligence vient prendre place sous nos mitan nous pour nous comprendre parole. Pendant que nous avons autant prié, esprit du Dieu vivant, libérez-nous. Rends-nous, alléluia, rends-nous réceptifs à vérité. Libérez-nous totalement de tout esprit de tiédeur. Tout esprit de trouble et de perturbation. Restez avec nous depuis le commencement jusqu'à la fin. Afin que chaque petit tout qui la va édifier à partir de cette étude, la va bénir à partir de cette étude. Et nous va glorifier Père. C'est comme ça que nous prions au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous saluons encore une fois, mes bien-aimés, et nous souhaitons nous bienvenue et bonne participation. Amen. Comment semaine nous t'aimer, mes bien-aimés? Très bien, Jésus. Très bien, à Jésus. Nous bénissons, bon Dieu. Nous disons merci pour l'opportunité, ça. Encore une fois, nous ensemble, en frères et sœurs, pour nous capables d'étudier la parole, bon Dieu, mes bien-aimés. Donc, c'est. Il était très bien pour nous et nous contentons de que il était très bien pour tout. Amen. Donc, nous connaissons le principe là déjà, mes bien-aimés, depuis l'heure arrivée, c'est une heure qui est consacrée à l'étude parole, bon Dieu. Donc, ce n'est pas une heure pour nous faire l'autre activité, c'est une heure qui est consacrée à l'étude parole là. Donc, 3B à là, nous connaissons le principe là, Bib nous, bloc notre nous et Bib, ou bien stylo à pour nous capables de passer temps. Non, étude parole, bon Dieu. Et nous toujours font un petit rappel pour vous. Avant de nous rentrer dans le sujet que nous gagnons pour aujourd'hui, nous toujours font un petit temps pour nous faire rafraîchir mémoire, pour nous garder qui ça ou même ou te kembe, qui ça qui te parlé dans l'étude précédente là, qui ça qui te attire attention, qui soit te kembe, qui soit capable de partager avec nous, à si là qui pat là yo, pour te, une façon pour capable mettre yo dans le bain. De qui ça nous t'a parlé semaine dernière, mes bien-aimés? Nous t'a parlé sur le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mm-hmm. Et à travers thème ça, nous t'a une question que nous t'a posée, qui est-ce que nous parlons? Très bien. Es-tu prêt pour le retour? Yes. Nous t'a fait lecture dans Matthieu 24, verset 44. Ça nous t'a à travers verset A, il m'a dit nous, nous sommes toujours prêts. Il dit nous, tenez-vous prêts. Nous disons une lecture, l'Apocalypse 22, verset 20. Il dit nous, dans la lecture A, ma vie
calme comme ça. Il nous était tout préparatif là, il m'a dit deux bagailles. Il m'a dit une temps et il m'a dit un travail. Il voulait dire, qui ça? Faut nous investir en nous, faut nous travailler pour nous préparer. Être prêt est un état. Il nous était tout, la parole de Dieu dit nous, faut nous toujours parer. Ce n'est pas une question de marcher tout sauvé, mais il faut nous toujours prêt. Et nous, tout Jésus-Christ, lui-même, il a illustré la vérité ça très bien dans la parabole du Vierge, qui nous joint dans Matthieu 25, verset 1 à 13. Nous voyons que le mariage, lui-même, qui était invité, jeune Saoul, le mariage, non? Et jeune fils Saoul, nous voyons le mariage lui-même, lui représentait Jésus, et les invités lui-même, lui représentait les chrétiens. Et nous voyons tout petit bon Dieu qui naît de nouveau, lui a invité dans notre ailleurs. Il recevra une invitation spéciale. Parce que nous ne connaissons pas qui le, qui joue dans la fête. Jésus-Christ lui-même, il vient attirer l'attention nous sur question préparation, sur question pariant. Ce n'est pas le dernier moment où nous allons acheter rade pour nous faire tout ça, nous pour nous faire. Mais il faut nous toujours parier. Il n'y a pas de personne ratée, rendez-vous glorieux ça. Il nous témoigne encore tout qui ça. Moi, je vais faire pour ne pas rater rendez-vous ça. Nous te prenons exemple en parabole du Vierge Jean. Côté nous te voir l'emplan, la parabole du Vierge Jean, l'emplan de représenter la parole de Dieu. Et nous avons tout le mot Vierge Jean, il traduit dans la Bible, jeune fille. Il y a deux catégories. Il y a une catégorie stage et une catégorie folle. Folle, lui-même, il traduit par essentiel. Paul là lui-même il représentait chrétien qui manquait bon sens. Ça je traduit pour des chrétiens avisés. Il y a deux catégories de monde captain ou tout ça. Des catégories qui avisées, des catégories insensées. Insensées c'est des monde qui manquait comprendre. Et ça je même c'est des monde avisés, c'est des monde qui prudent, qui avertit, c'est des monde qui vigilant. Et nous tout tout la Bible même il parle nous plus que 300 fois dans 260 chapitres que nous joignons dans le Nouveau Testament. Nous joignons plus que 300 fois que nous parlons de retour ça. En moyenne 1, verset 26. Et nous retournons à l'apôtre Paul, dans l'Épître, il parlait au moins 50 fois de questions de retour ça. La seconde venue de Christ, lui-même, il mentionnait 8 fois plus souvent que sa première venue sur la terre. C'était déjà gagné 2100 ans depuis sa défaite. Et nous, tous, sans le retour de Christ, eh bien, il n'y a pas de résurrection des morts. Il n'y a pas de jugement du chrétien devant le tribunal de Christ. Il n'y a pas de récompense, pas de ciel, pas d'éternité, pas de jugement pour le pécheur. Et nous, tous, nous, côté, tu as parlé de folie, et pour les gens qui comprennent folie en lui-même, c'est là où le monde lui-même a et fait des gars, la fête à pas ça, que nous sommes capables de dire que ce monde-là, c'est un monde qui est folie. Mais la Bible même, ça folie, hein, c'est selon la Bible, hein, c'est lorsque on ne cherche pas mon Dieu. Ça folie selon la Bible, c'est lorsque on ne fait pas volonté mon Dieu. Ça folie selon la Bible, c'est lorsque on ne cherche pas penser mon Dieu. Parce que la folie selon la Bible, c'est lorsque on ne nourrit pas nos avec la parole de Dieu. La folie selon la Bible, c'est lorsque on ne prend pas temps. Chaque jour pour rencontrer CEA dans la prière. Depuis qu'on va faire tout ça, nous là, le monde fou prier selon la Bible. Question où Dieu pose tête tout chaque jour. Qui sait bon Dieu penser de moi? Qui sait bon Dieu penser de la vie? Et qui sait bon Dieu penser de conduite? C'est de prendre lecture dans Somme 119, verset 105. C'est de moi que parole en lui-même, il y a deux bagailles. Parole dans son lampe, il y a son lumière. Nous avons tout bon rapport entre l'emploi et réserve l'huile. Il permet l'emploi de rester l'humain. Et nous avons tout pour nous capables de kimber, pour nous parler, nous besoin d'aide, cet esprit. Nous besoin pas comme ça. Et nous avons tout, vieille sage dans lui-même, il te comprend la réalité à bien. Vieille sage, nous-mêmes, il te deux mêmes t'es occupé. Ou même t'es gagné l'emploi, ou même t'es gagné réserve l'huile. Et nous, entre tout, bon Dieu lui-même, il a besoin des chrétiens engagés à 100%. Maintenant, nous devons apprendre tout. Nous avons pris à payer pour suivre Jésus. Nous défendons le Marc 8, verset 34.
premier bagage vient pour Jésus, le besoin premièrement, oublier tout, renoncement. Deuxième nom, c'est pour quoi? Et puis troisième nom, c'est suivre. Nous te faisons lecture, le Marc 13, versets 33 et 37. Veillez et priez. Pour qui ça peut veiller? Nous devons veiller sur les signes des temps. Veillez sur la prophétie dans l'Église. Veillez sur l'accomplissement de parole bon Dieu. Le retour, là, il est précédé par des signes. Amen. N'a veillé sur tête nous. Amen. N'a veillé, n'a examiné nous chaque jour. N'a veillé sur l'autre nous. Nous avons deux bagages dans nous. Réserve l'huile nous, l'on met, et l'autre nous, dans l'autre main. N'a veillé sur réservoir nous. N'a veillé sur l'amour pour Jésus. N'a veillé sur consécration nous. N'a veillé sur marche chrétienne nous. N'a veillé sur relation avec bon Dieu. Parce que c'est ça qui est arrivé, vierge pour lui, le pas veiller. Parce que vierge n'a pas veillé sur l'ampion, il n'a pas veillé sur réserve l'huile. Vierge folle. Il était quitté dormi pour lui. Lorsque nous venons jouer Christ, il y a deux objectifs que le Seigneur prévoit dans la conversion. Convertir ou abjoindre la donne. C'est pour abandonner l'idole pour servir mon Dieu vivant, c'est pour tonner. Nous avons ça dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9 et 10. Servir et attendre. Et nous avons tous un côté paresseux, l'abdomen tout le temps. L'activité nous empêche de sommeiller. Ça, pour nous connaître. Toute énergie, nous, toute force, nous devons employer pour nous capables de parer pour sa venue. Et nous te font lecture dans Isaïe 55, versets 6 et 7. Nous devons prendre mon Dieu au sérieux. C'est pour nous prendre mon Dieu au sérieux parce que joie par l'arrivée. Qui responsabilité nous? Responsabilité nous, c'est pour nous parer. Les vindines, mon bon Dieu voyé dans la chair a venu, le nous pas d'accord. Est-ce que nous parlons pour retour? Ça veut dire que nous avons dans l'étude, nous-mêmes, nous prenons. Nous voyons que nous devons parler. Ce n'est pas une question de marcher tout sauvé, mais c'est une question de parler. Amen. Amen. Merci, ma sœur. C'est exactement ça, mes bien-aimés. Est-ce que nous parer ces questions à ça? C'est pas marcher tout sauvé. Donc, nous croyons que tout le monde, c'est une question de parer. Amen. Amen. C'est une question de parer. C'est une question de est-ce que nous parer pour grand rendez-vous ça? Amen. Amen. Donc, c'est ça. Nous sommes sûrs et certains que tout le monde parle pour grand retour. Hein? Donc, c'est comme ça qu'on a continué, mes bien-aimés. Je dis, hein, nous pourrons regarder ensemble. Ça nous entend par un signe des temps de la fin. Mais c'est ça que nous pourrons regarder aujourd'hui. Hein? Ça nous entend par signe des temps de la fin. Parce que question, c'était est-ce que nous parler? C'est vrai pour retour, hein? L'on nous garde que la Bible enseigne nous que retour là, les proches, retour là imminent sont bagay qui réel. Amen. Nous ouais ça n'a pas. Nous ouais ça n'a pas le bon Dieu. Mais maintenant, c'est pas comme ça l'a fait. Premier temps. Gien sa yore lo, enlèvement de l'église. Dans un second temps, gien sa yore lo, établissement du règne terrestre de Christ. Pas vrai? Amen. Donc, nous pourrons effleurer ça, et nous pourrons garder ensemble, je dis à l'ensemble des signes, si on était capable de dire ça, qui a précédé retour qui a précédé et seconde venue Christ pour capable établir règne terrestre là mes bien-aimés. L'enlèvement de l'église c'est va un signe. Mais bibliquement qui ça nous capable faire? Bibliquement bien-aimés, nous capable discerner quelques signes avant coureur de
cette venue. Nous capables de discerner bibliquement quelques signes avant coureur. Amen. 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 Donc, une côté bien-aimé, en ouvrant la Bible avec moi, nous prenons Matthieu 24, sorti dans verset 32 pour arriver dans verset 35. On va faire lecture là pour moi. Matthieu 24, verset 32 à 35. Amen. Amen. Matthieu 24, verset 32 à 35. Si. Il dit, instruisez-vous pour une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Merci Seigneur. Prends le son sous pied fixe France là. Pour commencer bourgeonner, pour pousser feuilles, nous connaît saison chaleur à sous nous. Même Jean tout, le na ouais toute bagaille ça y arrivé, nous mettre connaît mon bon Dieu voyer dans la chair à tout près. Ni n'a pas porte là. Ça m'a dit nous là, c'est vrai. Deux monde dans génération ça qui pas gagne temps mourir avant toute bagaille ça y arrivé. Ciel là à toute terre va passer mais parole moins pas jamais passer. Amen. Amen. Merci Seigneur. Sa parole ça y vle dit mes bien-aimés. Qui sa parole sa yo gen la dan yo? La parler de Israël et le retour d'Israël dans la terre sainte. Très bien. Les licences. Le Israël vini aux nations. Encore. Très bien. Là, nous sommes capables de dire qui sa figuier a représenté. Nous sommes capables de dire là, dans le texte, là, figuier a, il représente qui est? Il représente Israël. Donc, il y a un signe bien-aimé, signe par excellence. Nous sommes capables de dire qui c'est. Yon base qui c'est yon nécessité pour accomplissement prophétie dernier temps, eh bien, est le retour des Juifs dans leur pays. Amen. Parce que Juifs y ont été dispersés, pas vrai, sur toute surface terre. Après destruction Jérusalem et temple en Partitus, en 70 après Jésus-Christ, ils ont été dispersés, pas vrai? Amen. Et ça, ce dit là, sans retour dans le pays promis, eh bien, prophétie tant de la fin, mes bien-aimés, les papes capables d'accomplir. Puisque ils ont fait mention de présence du peuple juif là, dans le pays et particulièrement dans Jérusalem, au moment de qui ça, au moment de déroulement, bien aimé, plusieurs événements majeurs qui marchaient avec retour Christ là. La paix bon Dieu à vous. Amen. Donc, on a parlé de temps de son retour, et c'est ça que fait Jésus-Christ, il parlait comme ça à disciples.
Et ça que fait une côté précision ça pour monsieur yo, lorsque les dit monsieur yo, parole ça, elle dit parole nous joigne dans Matthieu 24 là, elle dit prends le son sous pied fixe France là, quand commencer bon journée, quand pour ses feuilles, nous connaît saison chaleur sous nous. Nous connaissons saison chaleur sous nous. Et nous connaissons Jésus qui toujours parlait en parabole. C'est qu'on s'en fait enseignement. C'est qu'on s'en déconne enseignement. Lui dit, monsieur, même Jean tout, le na ouet tout bagay sa yon rive, nous met qu'on est, mon bon Dieu voyez dans la chair, tout près. Li là, nan pas pot là. Li là, nan pas pot là. Donc, le la parle qu'on y a de génération. Le dit, monsieur yo, ça m'a dit nous là, c'est vrai, oui. Des mouns dans la génération ça qui n'a pas été mouru avant tout bagay ça y est arrivé. De qui génération Jésus qui t'a parlé là? D'après nous-mêmes. On va parler de génération qui présente l'Israël tout, ça veut dire que le retour est imminent. À n'importe quelle heure, nous ne devons pas être mourir dans la génération ça, que Jésus tout, dans la période que Israël vit nos nations, que le retour est imminent. Eh bien, certainement, là, ok, certainement, Jésus-Christ pas t'a parlé là de génération qui t'a vive le que lui t'a fait déclaration ça. Amen. Certainement pas. Parce que il t'a déjà tourné. Amen. Donc il faut que, attendez bien mes bien-aimés. Yes. Figure nous deux l'égal Israël, bah oui. Amen. Il faut que, merci Seigneur, il faut que, ça mes bien-aimés, Jésus t'a parlé là, deux générations qui gè pou, ouais, si ça y est arrivé. Donc, c'est si, ça veut dire qui ça? C'est si, son qui ça? Yon c'est conséquence bourgeonnement. Figuier. Est-ce qu'on l'a? Yes. Si ça y est bien aimé, que Jésus-Christ a parlé là, il y a ces conséquences bourgeonnement figuier. Et ça que fait mes bien aimés, il est intéressant pour nous connaître que figuier ça, puis figue France là, puis figue France que Jésus-Christ a parlé là dans Matthieu 24 là, il se symbole national Israël. Parce que pour que mes bien-aimés figue à bourgeonner, n'a pas d'accord avec il faut que gagne de nouveau yo figue. Yes. Bourgeonner. Pour bourgeonner, faut-il bien mes bien-aimés que gagne de nouveau au figue. Yes. C'est ça que fait manifestation. Signe dernier temps, les d'abord, restez avec moi, les précédents bien-aimés, d'abord, du retour des Juifs en Israël. Et de restauration yo, en tant que nation. La paix, bon Dieu, à vous. Amen. Parce que, t'aimes Dieu. Après presque 1900 ans bien-aimés d'exil, attendez bien, oui. Au début du siècle, eh bien, grand mouvement bien-aimé de retour sur la terre d'Israël qui commençait à développer. Et nous vînons installation en Palestine de
un certain nombre de juifs. La Mendo après 1900 ans d'exil. Qu'est-ce qui va arriver après la Seconde Guerre mondiale? Après la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui va arriver, bien-aimé? Eh bien, juifs, ils ont commencé à avancer en Judée. Et c'est comme ça, l'État d'Israël est même proclamé en 1948. En 1948, eh bien, proclamation ça a été faite, l'État d'Israël est bien bel et bien existé. Détermination. Yes, alléluia. Ça qui vient arriver, mes bien-aimés, il y a une guerre qui est enclenchée. C'est une guerre qui était très, 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 très médiatisée. La guerre de six jours. Où Israël reprend Jérusalem. La guerre de six jours. En pile, moun mouri. Bataille faite, une bataille rude. Guerre terrible, la guerre de six jours, côté reprenne Jérusalem. Mais qui ça nous a dit là? Tout bagay ça yo, yo rend possible bien aimé par la main de Kimon, grâce à qui est-ce? Tout bagay ça yo possible grâce à Kimon, mes bien aimés. Grâce à prophétie, bon Dieu, qu'accompli? Très bien, ma soeur. Grâce à pouvoir bon Dieu, afin que bien-aimé, prophétie, eh bien, il est capable d'accomplir. Parce que ça l'était annoncé, il annoncé que, il te dit que Juif, il a ramené en Israël et à Jérusalem. Et sa parole l'a dit. Amen. Ça fait que mes bien-aimés, il faut qu'on comprenne ça. Le bon Dieu parlait, il parlait une fois pour toutes. Parole bon Dieu, eh bien, pas gagné, mes bien-aimés, pas gagné, remise en question de parole de prophétie, bon Dieu. Pas gagné, remise en question là-dedans, non, mes bien-aimés. Le bon Dieu parlait, c'est ça qui fait nous l'éternité envahie. Parole bon Dieu, pas gagné, menti là-dedans. Donc, tout cela fut rendu possible par la main de Dieu, afin que mes bien-aimés s'accomplissent des prophéties annonçant que Juif serait ramené en Israël et à Jérusalem. Est-ce que nous avons? Amen. Donc, pas oublier ça, n'a pas parlé là, n'a pas parlé là de qui ça? Est-ce que nous sommes de qui ça n'a pas parlé là? N'a pas parlé là de? Fin des temps de la fin, très bien. Donc, voilà que dans Matthieu 24, là, nous dit Jésus-Christ parlait de génération. Et nous sommes donc clairement, c'est pas question, il n'est pas parlé là de génération dans la période que l'État vive là. Donc, il y a pour explication qui assez souvent, yo bay sous question génération ça, côté yo dou, eh bien, ces générations qui ouais démarrage, restauration Israël, c'est yo même génération ça, yo pas passé sans yo pas ouais, yo pas passé sans yo pas ouais, retour en gloire de Jésus-Christ. M'pa kwè, moi-même, à mon avis, m'pa penser que nous t'a doué et un petit gens limitatif à savoir nous t'a un petit gens limité travail bon Dieu dans sens ça et que génération en question eh bien c'est ta génération qui a
paraît pour ouais et événement yo cap vivre dernier événement yo cap montrer que fin là ça yo fait comprendre que génération qui était ouais restauration mais c'est eux même qui parle li pas obligatoirement. Pas obligatoirement depuis la guerre déclenchée ou autant de bruit botte autant de bruit de guerre et bien qui s'est passé. Il n'est pas nécessaire pour nous penser comme ça parce que mes bien-aimés chaque arrivé qui ça la Bible dit. La Bible dit dans Matthieu 24 verset 14, on regarde qui ça le dit dans verset 14 là, on regarde. Verset 14 à qui ça le dit? Cette bonne nouvelle du royaume dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Yes, tendez bien, oui. Faut que vous ayez un marché by bonne nouvelle. Pays côté bon Dieu, wa, tout partout sous la terre. Pour tout le monde qui attend des messages là. C'est le ça à toi. La fin va arriver. Oui. Amen. Qui sont là? Qui sont là, bien-aimé? Pas là même, non. Bon, moi, je prends niveau encore. Faut l'évangile guet temps pour le prêcher. Faut que guet temps marché by bonne nouvelle là. By bonne nouvelle, pays côté bon Dieu, tout partout sous la paix. Bien. Après ça, il dit pour tout le monde qui attend des messages là. Et c'est le ça à toi, la fin va arriver. Entendez bien? Yes. Il n'est pas dit là que obligatoirement que fin dépend plus son question d'heure ou de jour. Pas vrai, mes bien-aimés? Ça, la Bible apprend nous là. Est-ce que c'est une question d'heure ou bien c'est une question de jour? Non. Hein? Non, c'est une question d'agenda. Ça, c'est pas une question d'heure, c'est pas une question de jour là. Non. C'est pas contre qui l'heure, seulement c'est le message qui vous prêchez. Yes, la parole qui vous prêchez. C'est marcher by parole là. L'idée là, clairement, bien aimé, il peut. Donc, alors, attendez bien, alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Il y a des bagages qui supposaient qui? Qui supposaient venir? Exactement. Donc, ça fait me comprendre clairement qu'il peut se passer encore plusieurs années marquées des derniers événements de la fin. Amen. Donc, la génération qui verra ces derniers événements, qui s'est passé, tels que installation de santé capable les abominations de la désolation, eh bien, ne pas passer, et ne pas passer pas avant que Jésus-Christ tourne. Donc, ça me capable d'oler. Moi-même, c'est compréhension personnelle, moi. Ça me comprend là. Pas quoi que j'en ouvre les limites là, c'est pour s'allier. Non. Il y a des gens qui pensent l'autre bagaille. Il y a des gens qui veulent l'autre gens. Il y a des gens qui comprennent que, et ça, c'est pas comme ça, c'est pas ça, je l'ai dit. Parce que moi-même, moi, parole la clé là, mes bien-aimés, et alors viendra la fin. Il dit clairement là, il dit, et fuck, vous êtes en marché by bonne nouvelle pays côté bon Dieu, tout partout sur la terre. Aïe, aïe, aïe. Pour tout le monde qui attend des messages là, c'est le ça à toi, la fin va arriver. Je vous dis, est-ce que pas bon percer mes bien-aimés pour bonne nouvelle la gaille tout partout? Amen. Est-ce que pas bon percer qu'a fait je vous dis à mes bien-aimés des côtés qui pas jamais touché par la bonne nouvelle? Et je vous dis à la qui commence à toucher par la bonne nouvelle, mes bien-aimés? Amen. Fait nous devons vigilants, oui?
Mais de côté, je dis à là, l'évangile pas de jamais entrer, mes bien-aimés. Il rentre, oui, je dis à. Yes. Des extrémités de la terre, je dis à qui pas de jamais entendre qui monde qui Jésus-Christ, je dis à Jésus qui tombe dans les oreilles. Oui. Amen. Et ça, comme nous, faut nous prendre nous, hein? Comme nous, je dis à la Jésus-Christ, rentre, pas de jamais content de des années. Des années passées, pas de jamais connaître, non? L'évangile n'a pas tant très côté ça, non, mais bien aimé. Amen. Il a commencé à parler, oui. Malgré persécution, malgré problème, malgré difficulté, il est rentré, oui, mais bien aimé. Amen. Ah. Amen. Je dis à faut que nous l'ouvrions yeux, nous. Faut que nous l'ouvrions oreilles, nous, pour nous entendre. Donc, et ça fait quelques précisions, faut que nous connaissions. Et ça fait pour nous bien comprendre prophétie dernier temps yo, et particulièrement bien aimé ça Jésus qui a parlé là dans Matthieu 24 là il y a quelques points qui extrêmement important pour nous prendre en considération parce que ça Matthieu 24 là extrêmement important mes bien aimés. Un premier point nous t'es capable de garder avant c'est lorsque dans Matthieu 24 là, Jésus-Christ a parlé là à la fois à l'église et à la fois à Juifio. Est-ce qu'on avait Amen. Il y a deux audiences, mes bien-aimés, dans Matthieu 24 là, qui est extrêmement important. La première audience, c'est l'église là. Et la deuxième audience, c'est juif. C'est ça que fait mes bien-aimés. Il y a des bagages qui concernent l'église là, qui pas concernent juif. Tout comme il y a des bagages qui concernent juif, qui pas concernent l'église là. A quoi nous sommes avec nous? Amen. Et ça qui vient faire des fois, mes bien-aimés, de des prophéties de qui viennent paraître des fois. Moun senti que gen confusion là-dedans yo c'est parce que yo pas prend point ça yo en considération. Yes, amen. C'est parce que yo pas prend point ça yo en considération. On allait dans Matthieu 24 le verset 9 et le verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Pas vrai? Verset 9 là tout le monde. Alors, on vous livrera au tourment. On va mourir. Et vous serez haïs des nations à cause de mon nom. Ok. Verset 11, il dit, il y a un peu de monde qui apparaît. Il y a pris pause prophète. Il y a trompé un peu de monde. Nan 9 il dit le ça, il a pran nous, il a plagué nous nan main moun k ap fè nous passer tourment. Il a touye nous, moun toute nation pral rayi nous pour tèt moins. OK? Nous songe nous te cité exemple. L'un te dit juif yo commencé entrer en Judée. Eh bien, avant ça adressé directement à juif qui habitait Judée. Juif habité qui Judée, c'est par eux même parole ça adressé. Si la Judée, l'église pas gagne rien à eux à parole ça. Amen. Non, ça pour comprendre. Bon mise en garde qui bat contre les faux prophètes du verset 11, eh bien, les concernés. Et juif et l'église. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ça concerne et les chrétiens et les juifs. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Les et pour chrétiens et pour juifs. On va continuer avec nous là. Extrêmement important, bien aimé, faut nous suivre.
Amen. On nous descend dans verset 15. On regarde Matthieu 24, verset 15. On regarde ça, elle dit. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Oui, au son, je ne vais pas les noms de ça. Hein? On a parlé, le prophète Daniel est à dire que celui qui lit fasse attention. Amen. 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 Prophète Daniel te parle sous bagay nou patare me weya. Bagay kabay gros la peine là. Eh ben, nous ne pouvons pas ouais bagay sa chita côté qui réservé dans temple là à part pour bon Dieu. C'est pour moun kap liya chercher comprendre. Après bon Dieu avoir. Amen. C'est pour moun kap liya chercher comprendre. Ça veut dire qui ça m'est bien aimé. Et ça qu'elle dit là, lorsque vous verrez, pas vrai? C'est pas ça le dit? Yep. C'est pas ça le dit? Amen. Lorsque vous verrez, pas vrai? Yep. Le fait d'en être parlé sous bagay, nous pas tarer mes ouais, bagay kap bay gou la peine. Est-ce que nous là? Qui ça ça? Qui? Parole ça, qui m'a dit que c'est son parole qui concerne mon cap de poula dans le temps ça. L'église a enlevé, pas vrai? Amen. Yes. C'est ça que fait. Il y a plein de monde qui prend parole ça pour yo. Il y a des monde qui dit c'est des chrétiens qui prend parole ça pour yo personnellement. Non, l'église ayant été enlevée, eh bien c'est pour nous cap là dans période ça. C'est pour nous cap là dans période ça, mes bien-aimés. Et ça fait son tort pour toute petite bon Dieu. Pour prendre parole ça pour vous personnellement. Non. Et ça que il dit clairement là, il dit, eh bien, nous avons pour nous bagay ça, chita côté qui réservé dans le temple à part pour bon Dieu. C'est pour mon cap lia chercher comprendre. Donc, ça veut dire qui ça? Parole ça, moi de lui concerne le monde cap gen pour là. Nan période ça, nan temps ça. Et ce nom là. Amen. Un deuxième point, nous capables attirer attention sur lui. C'est nan mi-temps exposé ça qu'a fait. Exposé de signe des temps ça, des temps de la fin qu'a fait nan Matthieu 24 là. Et bien, nous joignons la donne l'enlèvement de l'église. Mais, mes bien-aimés, n'est pas mentionné clairement. Même si que il est passé la donne, mais il n'est pas mentionné clairement. Et ça fait, nous sommes capables de sujet ça, parole ça, eh bien, il n'est pas fait partie de bagay que Jésus lui-même révélé précisément. Pendant que, alors que Jésus-Christ dit lui-même à disciples que il n'est pas capable de dire au Kounia, mais que Saint-Esprit a enseigné tout bagay. Il avait bon Dieu avant. On a regardé avec moi dans Jean 16. Les versets 12 et 13. Amen. Amen. Jean 16, versets 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Amen.
Merci, Seigneur. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Merci, Seigneur. Est-ce autant des paroles là? Autant de ça, Jésus-Christ dit? Il dit, eh bien, moi j'ai un pile l'autre bagaille. Attendez bien, oui? Moi j'ai un pile l'autre bagaille encore pour me dire nous. Mais nous pas qu'à comprendre nous couliers. Alléluia. Est-ce que vous entendez, mes bien-aimés? Oui, c'est bien. Que bon Dieu pas ben nous, nous pas en mesure pour nous comprendre nous. Il n'est pas ben nous, yo. Mais tant de pour vivre. Il dit, monsieur, mais nous pas comprendre. Ouais, mais Dieu pile l'autre bagaille encore pour me dire nous, mais nous pas qu'à comprendre nous couliers. Après ça, il dit, mais lui-même, l'esprit qui a montré vérité, le vini, l'a mené nous dans toute vérité. Parce que il n'a pas parlé parole, pas lui. Mais tout ça l'attendait, c'est ça l'a dit nous. La fin nous connaît, bagaille, qui est. Pour arriver. Alléluia. Merci Seigneur. Et le tourner dans Matthieu 24, mes bien-aimés, vous pouvez regarder dans verset 4. Dans verset 4, côté Jésus, dans verset 4, 5, côté Jésus dit, non, on a commencé depuis dans verset 3. Côté Jésus, te chita sous mon olive là. Disciplioté, pour continuer avec lui. Yo proche bon côté, yo mande le. Moi di nou ki lè ça va arriver. Di nou ki si ki va fè nou konnen le va venir. Le temps ça va fini net. Verset 4. Jésus répond yo, attention. Pour personne pas tromper nous. Parce que en plus le monde va venir sous nom moins. Il a dit c'est eux-mêmes qui Christ là. Il a trompé en plus le monde. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Amen. Personne pas trompé nous. Je dis à qui ça n'a pas gardé mes bien aimés. Est-ce que nous avons moins? Amen, amen. Tout le monde va venir sous nom moi. Il a dit c'est yo même qui Christ là. Il a trompé en pile monde. Et vous songez ça dit dans Jean 16 là. Vous songez ça dit nèg yo dans Jean 16 là. Gan pile bagage pour m'ta ban nous. Mais couyé là nous pas ka ko. Comprendre. Donc, voilà que il dit attention pour personne ne pas tromper nous. Parce que en plus le monde va venir sous nous moins. Il a dit c'est eux-mêmes qui crient cela. Il a trompé en plus le monde. Et il continue pour dire, monsieur, nous pouvons attendre. La guerre a fait tout près nous. Ensemble avec nouvelle la guerre qu'a fait bien loin. Côté ça m'a dit nous bien. Nous pas besoin peur. Parce que faut que bagaille ça y arrive. Mais c'est pas encore la fin en ça. La paix bon Dieu avoir. Amen. Merci Seigneur. Nous pas besoin paniquer bien aimé. Pour ça n'a pas ni pour ça n'a pas yo. C'est pas encore la fin en ça. Donc, l'un de mes bien-aimés, dans Matthieu 24, toujours, nous avons continué. En nous faisant coup d'œil dans verset 40 et 41. Amen. Amen. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ,
l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen. 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 Mm-hmm. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il bien dit, le savagin deux garçons dans le même jardin. Alléluia. 40 et 41, pas vrai? Amen. Clé. Il y a pris une, il a quitté l'autre là. Vagin deux femmes qui ont mouné maï. Il y a pris une, il a quitté l'autre là. De qui ça parle là? L'enlèvement. Très bien. Est-ce qu'elle dit enlèvement clé là, mes bien-aimés? Effleurer encore une fois parabole, bien-aimé. Parabole, amen. Encore une fois parabole, c'est ça que Jésus crie. Les bien doux, le savagin deux garçons dans le même jardin. Il y a plein une, il y a quitté l'autre là. Vagin deux femmes qui ont mouné maï. Il y a plein une, il y a quitté l'autre là. Et vous avez mis un monde livre, verset 42 pour moi. Veillez donc, puisque vous ne savez pas que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Merci Seigneur. Qui s'allume là? Veillez. Tenez-vous. Prêt, tenez-vous prêt. Bien. Pas quitter dormi, prends-nous. C'est peut-être ça, pas quitter dormi, prends-nous. Parce que nous pas connaît qui joue maintenant va venir. Et qui ça fait appel? Ça fait appel à qui ça, mes bien-aimés? À la vie, vigilance spirituelle. Amen? Amen. Ça fait appel à qui ça? À la vigilance spirituelle. On a besoin de même parole ça toujours. Nous jouons dans Luc 17, 34, 35, 36. Côté Jésus-Christ fait plus directement allusion, mes bien-aimés, à question ça. Mais, vous qui prenez avec question ça, que cet esprit pas oublié, ça le dit dans Jean 16 là. Lorsque le dit, monsieur, yo, le Saint-Esprit va venir, qui ça l'a fait? Yo? Là, de nos vérités. Là. Voilà, la feuille qu'on est, toute bagaille qui est pour arriver. Très bien. Le Nalgade, nous voyons que Jésus-Christ, dans Luc 17, 34, 35, 36, les font passer sous lui. Mais le Nalgade font coup d'œil, nous avons écrit Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, mes bien-aimés. Les versets 16 et 17, on a regardé l'ensemble. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Amen. Amen. Qui verset, pasteur? 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Il dit, quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Merci, ensuite, Seigneur. Nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur de les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Merci, Seigneur. Qui sa parole, de qui sa parole ça a parlé? De l'enlèvement. Très bien. Rapture. Exactly. Dans Matthieu 24, là, hein, Jésus-Christ effleuré, pas vrai? Dans verset 40 et 41, il effleuré, pas vrai? Lorsque il a dit en parabole. Yes. Et dans Jean 16, les versets 12 et 13, il te dit, monsieur, yo, gen bagay, il y a un pile l'autre bagay, il te ka, pour le dire, yo.
Mais pour y a pas qu'on ka comprendre. Mais gagner l'esprit vérité à qui vient pour venir, consolateur qui a fait connait tout ça qui vient pour arriver. Et bien aimé à travers apôtre Paul dans écrit ça, qui ça l'esprit bon Dieu fait. Allez, non. Il explique clairement. Non. Dis le fort, non. Dis le pour tout le monde entendre, non. Il explique clairement. Je ne pas attendre. Tout le monde pas attendre. Dis le plus fort pour tout le monde entendre. Il explique clairement. Très bien. Cet esprit Balil, c'est ça Jésus-Christ dit dans Jean 16 là. Yes. Il dit Balil là. Apôtre Paul Balil là. Cet esprit Balil. Et ça fait parler clair sous enlèvement. La réalité, apôtre Paul vient nous là, ça est la réalité de l'enlèvement de l'Église. Ça, Jésus qui t'a baillé dans Matthieu 24, par là, mes bien-aimés, anti-parabole, hein? Li bay moun yo lanti parabole, li bay disip yo lanti parabole, ou kopren ap gen de gason nan jaden, yon yap pren yon yap kite lot, ap gen de fom ka pren le mayi, yap pren yon yap kite lot, li vin bay apotou pol li kle. Li vin ban nou la kle, mes bien aimé, la realite de l'enlèvement de l'Église. C'est ça que fait. Le verset 14, nous pral gade, Matthieu 24, verset 14 là, nous songez, lorsque lui dit, fok yo getan mache, si nous songez, ça le dit, fok nou getan mache, bay bon nouvelle pays côté bon Dieu, wa, tout partout sous la terre, pour tout le monde qui attendait message là, bien aimé. Yes. C'est le ça à toi. La fin hein, va arriver. Amen. Merci Seigneur. Donc, ça veut dire qui ça m'a bien aimé. Ça veut dire que gay, verset 14 à là, faut que le message là prêché, faut que l'évangile là proclamé, ça fait nous comprendre clairement et il fait allusion à qui ça, à ça n'est pas capable de briller, un réveil mondial. Pas qu'on soit avec non? Réveil mondial ça, et bien le réveil mondial ça fait et nous enclencher réveil mondial là bien aimé, on d'où gen côté là l'évangile là pas arrivé, lui commencer rentrer. Et bien il pral clôturer. Il pral clôturer, réveil ça pral clôturer par l'enlèvement de l'Église. Est-ce qu'on va même? Et ça qu'elle dit, alors viendra la fin. Merci Seigneur. Alors viendra la fin. Chaque mot bien-aimé, il y a une importance, il y a un poids. Le nabga de structure phrasio, et chaque mot dans phrasio, chaque mot dans passage, il y a une importance. Chaque phrase, chaque verset, chaque référence, gon séquence là-dedans. La Kemte dit nous fait attention à séquence. À structure, verset. Jean yo structuré et Jean yo séquence yo fait. Faut que nous très prudents à séquence. Ça que gampi moun ka fait rara dans séquence, non. On ordre pour nous respecter la parole bon Dieu. On ordre. Parole la claire, lui dit nous là, mais ça qu'a privé avant, après ça lui dit, mais ni. C'est le ça à toi. Alors viendra la fin. Alors. Ça veut dire, après activité ça, et bien, mais ça qu'a vini. Lui dit, c'est le ça. Mais ça créole, moi, bon, moi. Créole, moi, moi, lui dit, c'est le ça à toi. La fin va arriver. Donc, ça pralvin servi comme une clôture, comme dernier événement, bien aimé. C'est le pral fermé réveil mondial là. La paix bon Dieu à vous. Seigneur. Donc, ça veut dire, bien aimé, alors viendra la fin, ça pralvin,
Eh bien, le pral pour y a déclenché, ça ne peut capable de les derniers événements, hein, plus catastrophiques que toute l'autre qui pral dernier, à savoir les douleurs de l'enfantement comme l'établissement de l'abomination de la dévastation dans le lieu saint, etc. Est-ce que non là? Amen. Donc, ça, c'est pral, le pral déclencher qu'on y a là les derniers événements les plus catastrophiques. Il va le déclencher. Donc, pas oublier, monsieur, tu as parlé dans Matthieu 24 là, et sur le mont, hein? Et côté Jésus-Christ chita avec monsieur yo, et bien monsieur yo a demandé qu'on y a la signe bien aimé. C'est ça yo le discours sur le mont des Oliviers. Côté monsieur yo dit, et bien dis-nous qui signe qui va faire nous connaître le web venir. Le temps ça va finir net. Dis-nous qui signe en nous parler. C'est du chaud. Parce que je connais. Il n'est pas questionné maintenant. Ce sera le signe de ton avènement. Mais dis-nous qui signe. Hein? Et c'est le ça. Jésus répond, monsieur Yo, qu'il y aura un enchaînement de plusieurs signes avant-coureurs. Est-ce que nous avons bien aimé? Amen. Donc, c'est ça que fait chrétien aujourd'hui, les doués très vigilants en ce qui a trait aux événements. Vous savez, j'aime toujours dire ça. Faut nous très vigilants et faut que nous suivions les événements. Faut nous pas passifs. Faut que nous suivions ce qui a passé autour de nous-mêmes. Faut que nous apprenions à entendre. Et faut que nous fournissions, nous garder, nous veiller et nous prier. Faut que nous très vigilants sur signe bien aimé, sur ça nous attendons, sur ça nous prouvons et sur ça nous vivons. Est-ce que nous avons rien qui doit échapper nous, parce que ça pas parler, tout le monde fait mes yeux. Nap tan, mais qui j'en pour nous tan nous pas connaît. Oui. Tout mon abdou Jésus-Christ a tourné, mais personne pas connaît. Pendant ce temps, il définit tout bagay, il dit nous qui j'en tout bagay a passé. Ça fait un paquet pour ne pas comprendre eschatologie, il ne pas comprendre ça y aurait les fins des temps, il ne pas comprendre ça y aurait les signes, il ne pas comprendre ça y aurait les enlèvements de l'église, il ne pas comprendre ça y aurait les abominations, il ne pas comprendre où ensemble, il ne pas connaître signes, il ne pas connaître et signes annonciateurs, les signes avant-coureurs, il mélanger tout bagay. Pour quelle raison? Parce que, eh bien, parole ça y a pas parlé. Personne n'a jamais touché livre là, personne n'a jamais parlé de retour, personne n'a jamais parlé de signe des temps, personne n'a jamais parlé de signe des temps de la fin. Tout le monde fait Apocalypse. Il fait tout le monde comprendre que c'est son dernier, son livre pas de moi-même. Donc, parole là, est claire, mais bien aimé. Bien, puisque retour l'a fait, il faut qu'on ait qui j'en sais à pied. Donc, c'est ça que fait. Monsieur là, même ouais, depuis longtemps, parole lui a parlé. Donc, monsieur a questionné Jésus, et Jésus dit, Negio, attention, pour personne ne pas tromper nous. Parce que, en plus, le monde va venir sous nos mains, il a dit, c'est lui même qui Christ là, il a trompé en plus le monde. Et puis, c'est comme ça, Jésus qui parle, déclenche parole là, pour dire, monsieur, yo, eh bien, gagnez, les pral venir avec un enchaînement de plusieurs signes avant-coureurs. En nous garder quelques signes avant-coureurs, mes bien-aimés. Pour nous capables de gagner une image générale et un petit genre plus précis et de déroulement événement. En nous garder qui ça, Jésus-Christ dit tout d'abord. Premier bagage que les disciples, il dit disciples, premier bagage c'est que
Li di, an pil moun va vini sou nom mwen. Ya di se yo menm ki Kris la. Ya trompe an pil moun. Premier bagay pou souligne, la venu de faux Kris. Amen. Amen. La venu de faux Kris. M. Kado sa très sincèrement bien aimé. Yon paket ki vin deja. Il est en pile qui pour venir encore. Bon paquet qui vient déjà, il est en pile qui pour venir encore. Est-ce que tu as des amis là? Amen. Ou pas avec nous? Ma vœu pas. Tu as des amis là? Il y a un pile qui vient déjà et il y a un pile qui vient. Il y a un pile qui vient pour venir. En pasteur, il a mélangé l'enlèvement de l'église et le retour de Christ. C'est ça qui est tout problème. Très bien, ma sœur. C'est exactement ça qui vient mettre une confusion dans le monde chrétien qui vient faire que yo pas connaît sac retour et yo pas connaît sac enlèvement. Yo pas connaît qui ça qui signe et qui ça qui a précédé retour là. Yo prend retour là, yo mettez dans signe. Yes. Gen retour, gen signe du retour. Gen signe avant-coureur ou bien signe annonciateur et gen le retour de Jésus-Christ dans le retour glorieux de Jésus, eh bien gen signe yo vinn mélanger tout bagay, vinn fait que yo pas comprendre enlèvement, yo pas comprendre qui gens la et puis yo prend retour yo mettez là-dedans. Très bien ça dit, c'est vrai. Et voilà que tout bagay vient expliquer. Donc, Jésus qui parlait de venu de faux Christ, pas vrai? Et nous, il y a un peu qui vient déjà et il y a un peu qui vient pour venir. Et deuxième signe que li bay, qui ça lui dit? Est-ce que vous avez identifié le moins? L'elfin répond, il dit, il y a un pile qui a venu, un pile monde va venir sous nos mains, il a dit, c'est eux-mêmes qui crient là, il a trompé un pile monde. Verset 6, en on allait. Qui est-ce qui nous bat encore? Qui est-ce qui nous bat encore, bien aimé? Il parlait de guerre et de bruit de. Bruit de guerre. Bruit de guerre. Exactement. Parce que il dit là dans verset 6 ça il dit nous pral tande il dit nous pral tande la guerre a fait tout près nous ensemble avec nouvelle la guerre qu'a fait bien loin King John Ohm. Ouais aujourd'hui là tout on a parlé de États-Unis et Corée du Nord. Pas vrai mes bien-aimés? Est-ce que nous avons? Amen. Nous tendez ça. Et ça fait, faut que nous gardions ça qu'a fait, que faut que nous tendez ça qu'a passé autour de nous-mêmes, bien-aimés. Parce que tout bagay, moi dis nous, la Bible, c'est meilleur outil pour chrétiens. Parce que la donne, c'est CNN qui la donne. Amen. Tout nous avons besoin de joindre la donne. Ou abjouen ni nan Bible qui nan men la. C'est le seul document qui existe qui compte ça. Le présent, le passé et le futur. Pas aucun document qui gagne trois périodes là-dedans. Aucun document bien aimé. La Bible c'est référence au lien. Et les deux la meni. Nous prenons le temps de la guerre à faire tout près nous. Ensemble avec nous, la guerre qui a fait bien loin. Corée du Nord fait un pile bruit. États-Unis un pile bruit. Tout le monde a parlé de Corée du Nord et des États-Unis. Eh bien, tout le monde panique. Mettez sous l'autre guerre qui fait déjà. Et il dit, écoutez, ça m'a dit nous bien. Nous n'avons pas besoin de peur, nous-mêmes chrétiens. Parce que, fuck bagay ça y est arrivé. Je n'ai pas besoin de paniquer. Quoi besoin de paniquer? Parce qu'on tend des Corée du Nord des armes nucléaires. Si il y a crasé, un wobble. On tend des bombes H. Pas besoin de tête au problème. Nous pas besoin de peur. Rete sous parole ça. Amen. Bagay ça y arrive. Mais, c'est pas encore la fin ça.
Amen. Nous pas besoin de la faire ça. Non. Donc, qui ça le fait là, mes bien-aimés? Qui ça le fait là? Il dit clairement. Il fait allusion à qui ça? Grande guerre. Nous connaissons ça, ça veut dire guerre. Et nous connaissons que dans l'histoire guerre, il y a deux guerres mondiales qui fait déjà. Deux grandes guerres mondiales qui fait. Et tout pour nous parler là, je dis à là, il y a deux que nous topons la troisième guerre mondiale. Et nous croyons que deux grandes guerres mondiales qui fait déjà, bien aimé, ils correspondent exactement à ça, verset 6 l'a fait allusion. Ouais, lorsque lui dit, qui ça? Il dit clairement, nous prenons le temps de la guerre, a fait tout près nous, ensemble avec la nouvelle guerre qui a fait bien loin. Amen. Bonne nouvelle la guerre qui a fait. Nous prenons le temps de la guerre qui a fait tout près nous là, oui, bah oui. Nous prenons le temps de la guerre qui a fait tout près nous là. Avec nouvelle la guerre qui a fait bien loin. Les deux guerres mondiales. Les deux guerres mondiales qui fait des millions de morts. Mes bien-aimés. Donc, à la vue de ces guerres qui s'est arrivée, eh bien, tout le monde est entendu, la fin arrivée. Après deux guerres mondiales, tout le monde est c'est la fin. Oui? Au point que arrivé l'an 2000, tout le monde est dit, bon, c'est fini. Nous songez tout ça, tout problème qui dégaine en white, ok? Fermez toute porte, bouchez fenêtre, faites tout bagage, parce que c'est la fin. Nous ne pas prendre la rue, pas pour sortir tout porte fermée. Nous mourir. Mais Jésus dit, attendez bien, ça fait nous chrétiens, qu'un bébé bibou pour nous pas venir boire focolo. Qu'un bébé bibou. Rete dans lecture parole, rete avec bibou à la main, pour moun pa vin bo fokolo, pour moun pa vin bo menti. Jésus-Christ dit, ce ne sera pas encore la fin. Pa vin koute moun abin dou la, ka vin fete tout chaud. Moun abin bo date, moun abin dou oui, et nous même chrétiens, na prépé ton bonne sottise, oui. Nous n'avons fait charabia, nous n'avons fait rara, nous n'avons fait un bon tintin, et puis nous n'avons répété tout, parce que nous n'avons pas arrêté nos paroles. Pour qu'on peut vous dire, nous n'avons pas regardé là, la Bible dit, il faut qu'il arrive, nous n'avons pas paniqué. Il faut qu'il y ait une guerre, et il faut qu'il y ait un bruit de guerre. Mais Jésus dit, ce ne sera pas encore la fin. C'est moi, chrétien, qui dis ça avec Bible à l'appui. Et moi capable. Et ça pour dire, ou pas besoin paniquer. Moi même pas peur. Si ou même peur, et ça que m'évite à prendre Jésus. Jésus dit m'pas peur. Seigneur. C'est pas moi qui dit ça, c'est lui qui dit moi pas besoin peur. Ce ne sera pas encore la fin. Merci Seigneur. Et qui est l'autre bagaille que Jésus dit, bien-aimé? Qui l'autre signe que le bail? Qui l'autre signe? Verset 7. À Corinthiens? À Thessaloniciens? Non, Matthieu 24. Retournez dans Matthieu 24. Matthieu 24, ok. Matthieu a levé contre une nation, un royaume contre un royaume. Très bien. Le peuple a levé goumen à l'autre peuple. Yon pays va attaquer yon l'autre pays. Va gen en pile grand goût, va gen tremblement de terre divers côtés. Merci Seigneur. Nation contre nation, royaume contre royaume, tremblement de terre. Ou te doit dire ethnie contre ethnie. Pas vrai? Tribu contre tribu. Nous voilà en Afrique. Tribu levé contre tribu, ethnie levé contre ethnie. Yes. Quel sens passage ça? Le dit nation contre nation, royaume contre royaume, ethnie contre ethnie. Nous, bien aimé, ethnie contre ethnie. Yes. Yeah.
Rwanda. Pour la bataille avec Tutsi. Mm-hmm. Yes. Ethnie contre ethnie, même moun yo. Donc c'est vrai, ça se passe à ça. Donc ça veut dire qu'il s'est bien aimé. Nous croyons que c'est la période actuelle côté ethnie yo affirmé de plus en plus. Côté yo affirmé différencio. Nous tous connaissons qui ça, il y aurait beaucoup haram en Nigeria. Ça l'a fait contre chrétien. Nous connaissons qui problème ethnique qui gagne en Afrique. Nous songeons l'événement Bosnie. Bosnie-Herzégovine. Nous songeons l'événement Rwanda, mes bien-aimés. Ou tout, ou tout. Donc, ça, c'est toute expression évidente, parole que nous jouons dans Matthieu 24, verset 7 là. Là. Et ça fait, le ou même chrétien ou été dans parole, ou, eh bien, pas gen rien qu'a étonné ou. Ou pas vinn servir qu'est-ce résonance pour aucun monde qu'a voyé monter qui pas gen aucune information qui comprenne ça qu'a fait là son événement que lié. Et ça qu'a passé là pas événement mes bien-aimés. Yo pas événement, la Bible dit tout bagaille déjà. Et ça que l'aime dit nous nous-mêmes nous pas besoin mon informer nous de quoi que ce soit. Yo on mon était là li pour zami tout li font match shooting pour ça pas étonné ou. C'est pas que ou pas sensibilité non qu'on grande différence mais li pas un étonnement pour vous. Jean en pile monde prend comme étonnement non la Bible dit tout bagaille déjà. On nous continue mes bien-aimés. Qui ça le dit? Continuez vous maintenant avec lecture là. Verset 7. On continue, verset 7, on continue. Verset 8 et suivant. Tout ça, qui ça? Ok, on continue. Tout ça, c'est maintenant coup tranché avant accouchement. Comme ça, ça veut dire douleur enfantement. Douleur qui est faite avant ou accoucher. Tout ça, c'est maintenant coup tranché avant accouchement. Vous entendez? Verset 9 lui dit, le ça, il a pris nous, attendez bien, mais l'autre signe, il a plagué nous dans le monde qui a fait nous passer tout le monde. Il a tué nous. Monde toute nation pour railler nous pour être moins. Qui j'en relève ça? Qui j'en relève ça? Persécution des chrétiens? Très bien. Nous l'autre signe, persécution des chrétiens. Eh bien, nous, ouais, bien aimé, ça a passé, frère nous, en Afrique. Nous, ouais, ça a passé, frère nous, en Asie. Nous, ouais, ça a passé, frère nous, dans le Moyen-Orient. Nous, ouais, ça a passé, frère nous, dans le pays totalitaire. Eh bien, ils ont consacré les persécutions. C'est ça, nous jouons là, dans verset 9 et 10 là. Est-ce que nous avons? Amen. Parallèlement, bien aimé. Et, de l'autre côté, qui connaît une grande prospérité. Donc, nous pral subi. Eh bien, il y a un pile, frère Axelio, qui consacre les gros persécutions. Et qui ça le dit nous là encore, il dit nous, il y a haï nous. Vous serez haï de toutes les nations. Ça ne veut pas dire que tout le monde, toute nation pral haï nous, non? Non, non. C'est pas ça, ça veut dire, non? Mais, que toute nation, à l'intérieur de eux-mêmes, eh bien, pral gagner des mouvements de persécution. Genre. Oula? Et pral gagner des mouvements de nation, ça y est, qui pral raï, non? Est-ce que nous l'a bien aimé? Même. Pas crivé. Ça y aussi des signes, son enchaînement de signes avant que Jésus-Christ lui-même libanon. Qui pour préparer nos bien-aimés. Et ça y regardez bien, oui, à qui monde l'a parlé là avec disciples. C'est eux-mêmes qui te posé la question. Et puis lui-même l'a taillé pour eux. L'autre signe dit qu'il y a gagné, en nous regardant.
nous continuer. Nous garder. Dans verset 10, qui ça le dit? Il dit, laisse ça. En pile, monde pral jouer une occasion pour tomber dans le péché. Yon pral dénoncer l'autre. Yon pral railler l'autre. Il y a un pile monde qui apparaît, il a pris pose prophète. Il a trompé un pile monde. Chaque passé. Qui ça nous est là? Qui l'a tient encore? Le ça, il apprend nous, il a lagué nous dans même monde qui a fait nous. Non, le ça, un pile de monde pral joindre occasion pour tomber dans le péché. Yon pral dénoncer l'autre, yon pral raï l'autre. Verset 11. Il y a un pile de monde qui apparaît, il a pris pause prophète, yo, il a trompé un pile de monde. Il y a deux signes là, bien aimé. Au verset 9, qui signe là? Qui signe là? Au verset 9. Verset 9. On voit. Non, nous n'étions pas en 9 là, déjà le verset 10. Verset 10. Ah, et l'église a bien déchiré entre eux-mêmes. Ok. Mais bon, mot clé qui est important dans le verset ça. Le lit dit, laisse ça, en pile monde, attendez bien, pour jouer une occasion pour tomber dans le péché. Ça veut dire que le monde a rentré dans l'église, il y a besoin politiquement correct, il a voulu changer parole, bon Dieu. Yon pral dénoncer l'autre. Ça veut dire que oui, yes. Oui, ça c'est yon la dani. Mais ça pour nous garder là, c'est ça nous sommes capables de briller et yon progrès pral gen et une progression dans le péché. C'est progrès de l'iniquité. Ou pral c'est péché qui pral régner. Tout pas tout pral passer ou pral c'est péché qui pral danser kalinda dans l'église. Yes, parce que yon accepté homosexuel marié. Voilà. Ou pral jouer progrès de l'iniquité. Et ça fait, en garde, au verset 12, qui ça le dit au verset 12? Au verset 12, qui ça le dit? Il dit, ap si tellement de méchanceté sous la terre, pour faire moun pas prenne l'autre. Qui ça pral mène toute méchanceté sa yo? Péché. Exactement, péché pral gen, péché pral à la hausse. C'est ça nous relé au progrès de l'iniquité. L'iniquité pral en progression, péché pral en progression, péché pral en vogue et jodi a ki sont ouais depuis qu'on ou pas ouais jodi a son équipe l'église a marché. C'est sous péché y a dormi, c'est sous péché y a fonctionné, c'est péché qui a dansé kalinda dans l'église. Ou pas jodi a là c'est tout boum c'est dos. Tout le monde c'est d'autres, tout le monde accepte tout le bagage sous prétexte de tolérance. Je veux dire, sous prétexte de love. Aline d'Apéchab danser. Tout ça la Bible, interdit, je veux dire, c'est eux-mêmes qui a la vogue, c'est eux-mêmes qui en vogue l'église là, c'est eux-mêmes qui populaient. C'est eux-mêmes qui populaient, c'est péchadoa même qui occupe qui gros fonction. Ouais, c'est péchadoa qui pigou chef. Progrès de l'iniquité. La Bible dit. Donc, ça parle fait que. Eh bien, qui s'est passé? Puisque progrès, iniquité en progression, les hommes sont plus méchants, les hommes sont plus égoïstes, les hommes sont plus menteurs, les hommes sont plus trompeurs, ils ont trompé le monde, ils ont menti. L'église nous a venu plus mettre dame. Pas fonctionner plus menteur dans l'église. Pas fonctionner avec plus méchant parce que comme vous dites,
bon Dieu, c'est méchant seulement qui fonctionne dans l'église, bon Dieu. Égoïste comme lui seul. Il est égoïste parce qu'il ne sait pas qu'on est. Tout bagage, c'est pour lui. Tout bagage, c'est pour lui. C'est pour lui. Et pour lui, actif en lui. Il n'y a pas de rassemblée, il n'y a pas de fidèle. Il met à mourir, mouri grand goût, ça va garder. Tout bagage vise tête, égoïste, c'est ça lié, oui. C'est progression iniquité qui rend les hommes méchants comme ça, oui. Qui rend nous égoïstes, qui rend nous trompeurs. Il y a venu menti. Et je dis, il y a menti, il y a venu fait. Il est venu règle dans l'église là. C'est beau frère qui est chef. C'est beau frère qui est nous. C'est menteur qui est populaire. La Bible dit, mais nous, progrès de l'iniquité, avec qui ça le dit encore, il dit faux prophète. Le monde qui transmet mauvaise inspiration, qui tordait l'évangile bon Dieu, qui prend vérité, qui passe en bas pied et qui fait qu'il fait pas. Des monde qui vient mettre confusion en l'église bon Dieu, des monde qui vient prendre l'évangile là qui torpille et ça oui, trouble intérieur à l'église, trouble intérieur au peuple de Dieu causé par des personnes qui tordent des monde qui tordent l'évangile là, qui tordent vérité, qui cassent coup vérité, qui viennent qu'on y a entré dans le ministère, c'est ça nous les des mercenaires spirituels, les pervertis. C'est moun sa yo ben bien-aimé. La Bible déjà parlé de yo. Les faux prophètes, yo dan envahi avec yo. Yo très populaire. Yo gen gros moyens nan men yo. Yo utilise de gros moyens pour voyer, pour faire message yo passé. Et yo atteint nan pile moun, yo prend pile moun. Parce que moun ap cherché, moun ap marché des populaires, moun ap marché des spectacles, moun ap marché des célébrités, moun ap marché des entertainers. Mais je connais. Et c'est des entertainers mon a marché, c'est des shows et dans show mon besoin pour ou marché ou besoin show. Si c'est show ou chercher ou besoin show, et ben c'est dans show ça est au bon point. Les faux prophètes. Ils besoin connaît. Ou besoin connaît ou marché derrière, ben ou besoin la Bible dit. A ben ou a menti, li dit les faux prophètes. A pas dit clairement là, li dit nous là, le ça en pile monde. Qui ça le dou? Gen en pile moun kap paret, y a pran pose pour fèt yo y a trompé en pile moun. Ça fait miracle. Y a bay message. Et puis yo tout ces prophètes, y a brûlé prophète à droite, prophète à gauche, prophète ici, dépenser comme vini, fait gros spectacle. Papa pour yo aimer, y a bon message. Les prophètes yo, y a bon prophétie. Donc mais ça la Bible dit bien aimé. Jésus. Et nous continuons, nous continuons. Et ça fait, lorsque tu es dans la parole, bon Dieu, eh bien, bon Dieu, bon vérité. Et la bon vérité, ça le dit, dans Jean 32, vérité, ça, à bon liberté. La pas franchi, mais bien aimé. Donc, tout autant qu'on pas gagné, ou dans l'esclavage, on va prêter, en bas même, on sa yo, que la Bible parlait de yo déjà. Et que, ou même, on pas connaît, et pour le plonger tête baissée, en bas yo. On continue. Dans verset 13, il dit, celui qui persévère jusqu'à là. Yes. Mais monde qui va kembe fem jouk sa kaba, c'est lui qui va délivrer. Mais. Au verset 14, il dit faut que tu aies ta marché, bye, bonne nouvelle, pays côté bon Dieu, wa, tout partout sur la terre, pour tout le monde qui attend des messages là. C'est le ça à toi, la fin va arriver. Ok? En nous garder. Il dit l'évangile là, eh bien, faut que l'évangile là prêché. Puisque iniquité a, la vallée terrain, péché à vallée terrain, eh bien, parallèlement tout, l'évangile là, l'évangile qui c'est puissance là, bien aimé, eh bien, il peut répandre tout, il doit continuer à faire chemin, et il doit répandre avec force, l'évangile là doit parler avec force, le ou même ou bien vérité, il ne faut pas faire aucun monde, mais bien aimé, pour prêcher l'évangile là. Et ça fait, ou pas qu'à m'enterrer dans aucun compromis à aucun monde pour l'évangile. Ou pas qu'à vendre l'évangile là. Ou pas qu'à vendre l'évangile là. Ou pas qu'à négocier l'évangile là. Ou pas qu'à négocier l'évangile là.
pas qu'à entrer dans aucun compromis avec aucun monde pour l'évangile là. Sous aucune forme, mes bien-aimés. Amen. Sous aucune forme, on ne peut pas négocier l'évangile là, pour rien au monde. Parce qu'il faut que l'évangile la prêche avec force. Jusqu'à, attendez bien ça, Abdoulah là, jusqu'à la manifestation d'un réveil à l'échelle mondiale. Amen. Faut que l'évangile la prêche. Côté bon Dieu, bon là, de ou même, réveil ça à partir de côté là. À ti groupe là. Par les moyens technologiques, je dis, hein, que bon Dieu baille les hommes, intelligence pour créer des outils, à partir des outils, ça va bien aimé, ou qu'à provoquer un réveil mondial côté y là. Amen. Yes. Pour y là, ou qu'à provoquer un réveil là, bien aimé. Pas troquer, pas vendre l'évangile, pas négocier l'évangile, pas négocier vérité que bon Dieu mettait à disposition là. Donc l'évangile, mes bien-aimés, sera annoncé par toute la terre. Et sa puissance manifestée, même j'en été manifestée au premier temps, j'en été faite pour premier temps dans l'église primitive là. Et je dis à la fête à une échelle qui est encore plus grande. Parce que pas oublier, regardez mes bien-aimés, sans technologie, qui ça, monsieur, ça a été fait? Sans technologie. C'est quoi le monde entier? Sans technologie, yo conquérir le monde. Sans technologie, mes bien-aimés. L'évangile a parti de un grand monde. Avec 12 disciples. Et puis je dis à les planétaires. Les planétaires. Nous quoi qu'à garder toujours dire ou même. Ou qu'à faire un travail tout ou même. Ou qu'à faire un travail tout. C'est là, mes bien-aimés, que moi, bon Dieu fait grâce, nous capable de situer l'enlèvement de l'Église. Parce que, à la suite de événements, ça y est, mes bien-aimés, une fois que l'Église enlevée, m'a entré là-dedans beaucoup plus en profondeur de l'autre fois, il y a une suite d'événements qui peut le dérouler, mes bien-aimés. Côté ou pral joindre qui pral entraîner sa nouvelle établissement de qui ça de l'abomination de la désolation hein, ça que nous joignons dans Daniel là et m'abdou m'a vinn souli après ça qui nous pral joindre la grande tribulation c'est bah nous pral prendre détail mais bien aimé qui est extrêmement important pour nous la apparition de nouveaux faux Christ et faux prophètes. Donc, des signes et des chamboulements dans le ciel, des bagailles qui pral fait, et dans le ciel là, et sous la terre. Donc, c'est là, mes bien-aimés. Ça met les grandes lignes des signes et événements qui a devancé le retour là, qui est extrêmement important pour vous, pour qu'on ait aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, si nous sommes capables de prendre leur précision pour vous, nous sommes capables de leur précision que bon Dieu baille encore dans la parole, c'est lorsque il dit, dans sa fête, il en sera comme au jour de Noé. Dans même Matthieu 24, là toujours. En nous gardant verset 37 pour arriver dans 42. Il dit, ça qui est arrivé dans ton Noé, c'est ça qui a pris tout. Tout le bon Dieu, vous voyez dans la chair, a fini. Est-ce que nous avons quand ça qui est passé dans ton Noé, nous avons fait 120 ans prêcher l'évangile, pas vrai? Tout le monde a fait la sous l'oreille. Tout a tué Noé, pas vrai? Le Noé a poursuivi la chose, dit Noé, est-ce qu'on fout parce que nous n'avons pas de l'eau? Nous pas ouais de nous pour si lâche. Ah bah monsieur fin fou net, monsieur perdit tête li net l'aller. Mais les jours a devenu réel. Tout le monde a dit Noé sauve moi. Le prix pour moi Noé, pas vrai? Amen. Mais ça Noé te répond yo.
porte là dans le fermé. Il n'y a pas non même fermé, pas moi qui t'ai fermé. Pas qui t'es droit à barre. Pas qui t'es droit à barre, parce que la Bible dit exactement, dans ton oeil, les dossiers, et exactement, c'est ça le dos. Les dossiers, ça qui t'est arrivé dans ton oeil. C'est ça qui a privé encore. C'est ça qui a privé. Tout. Le monde bon Dieu voué dans la chair a vini. Comment vous plus clair avant encore là? Comment vous plus clair avant là? Et nous songez bien aimé qui ça qui t'est précédé déluge là. Nous songez méchanceté, ça nous sort parler là. Immoralité, destruction de la cellule familiale. Tout le monde t'est plongé dans magie. Yo t'a fait un bon bagay. Yo t'a couché avec dessus. Et c'est ça nous se parle là. Jésus qui parle le pouvoir. Et ça nous est le progrès de l'iniquité. Oui, mes bien-aimés. Bon, qui image lâche à représenter? Qui image que nous voyons représenter bon de l'iniquité? L'entrée dans l'achat. C'est image enlèvement à l'église, oui? Mm-hmm. Et image de l'enlèvement, bien-aimés. C'est pas vrai? Yes. Image enlèvement, oui. Donc, si au monde ou pas fait ou pas mettez-vous à cela pour rester dans la parole, bon Dieu, et pour connaître ça, bon Dieu dit, et pour ouvrir votre cœur pour ça fait pour vous, et mais qui j'en savais le passé pour vous là? Eh bien, qui ça peut arriver? N'a pas désolé? N'était pas nous, non? L'évangile prêché? L'évangile prêché, ça qui des oreilles pour t'en détendre? C'est ça, oui, parole l'a dit. Non, la kounia, l'éclair. Donc, si vous quittez la animé, eh bien, il faut perdre. Qui s'est passé? Il n'y a pas personne, non? Non. Il n'y a pas personne, mes bien-aimés. C'est pas personne. Donc, je vous dis, l'important pour nous, l'un des signes que nous jouons dans Matthieu 24, à bien-aimé, il est très clair, et nous sommes là, et bien, c'est eux-mêmes, ces signes qui, eh bien, a ben nous, ces signes que nous relais, les signes des temps de la fin. Amen. Amen. Donc, prochaine fois nous rencontrer, nous allons parler nous de chronologie ou exactement pour nous barou chronologie ou genre de barou pour en ce qui a trait à événements de la fin. Mais pour aujourd'hui, là, on aurait été sous ça, yo. On nous garde ensemble. Si il y a une question pour le moment, on nous prend, yo. Merci, Seigneur. On nous allait bien aimé. Pasteur, dernièrement, nous tenons une conférence à parler de ça, malgré que l'évangile a prêché, on a parlé de. Jean Walif, sans problème, est dans les États-Unis. Il a parlé de certaines villes interdites que j'étais un peu là-dedans, certaines villes que. Même Billy Graham, pas Jam, mais Pied San Francisco, là, les tout près, parce que bon Dieu interdit certains mouvements dans certains contrées, dans certaines villes. Les, y aurait les villes fermées. Y met San Francisco number one là-dedans. Oui. Ou pas qu'à me lever, sans bon Dieu, pas d'eau pour aller faire une croisade là. Non, même pas. Billy Graham, bon Dieu interdit. Nous tous connaissons qui ville que yo yé. Yeah.
nous tout connaît qui ville que yo et nous tout connaît qui ça qu'a pratiqué là-dedans yo. Nous connaît qui ça qu'a pratiqué là-dedans yo. Vous comprenez? Et ça fait yo ba yo non ça yo. C'est pour ça qu'a pratiqué là-dedans yo. Nous tout connaît. Tu as permis son bon Dieu pour aller? Si. Parce que ça qu'a fait là dans yo, yo pas de lui-même. Donc si lui-même n'est pas approuvé ou si lui-même n'est pas autorisé ou à poser main ou à poser pied ou à placer à les faire un travail quelconque là, ou pas qu'à lever ou même de propre gré pour le faire. Ou à victime. Pour qui raison? Parce que c'est ça, ou pas travailler pour tête tout. Amen. C'est lui-même qui pour autoriser, c'est lui-même qui pour diriger, c'est lui-même qui pour voir côté pour aller. Certes. Bah, t'as pensé États-Unis, t'as gagné côté comme ça. Ma soeur, ou pas t'as pensé ça? De plus toujours. De plus bagaille toujours. Donc c'est pas ou pas qu'à parler comme ça, donc ou pas ta penser gain côté comme ça, gain plus toujours. Ouais, hier. Gain plus toujours. Gain côté tout près là qu'on pas ta supposé. Yeah. Yeah, m'connais à l'année une là-dedans. Gain côté tout près là qu'on pas ta même penser ça. Côté gain côté là côté là même. Côté où même moi vivre là, côté y a là. Et gen côté là tout près là. Ou pas connaît. Yo là. Donc c'est ça qui fait ou gon responsabilité pour prier. Ou gon responsabilité pour faire ça ou à faire. Ou gon responsabilité pour proclamer, pour bailler, pour parler de, pour dire ça ou bien pour dire. Ou bien responsabilité pour semer, ou bien pour laguer semence là. Et qu'on y a là, ça pour arroser, arroser, et puis côté qu'on y a là, germer pour germer. Ça pour faire germer, ça pour faire grandir, pour faire grandir. Mais on a une responsabilité. C'est, je dis, ça qui est passé du temps de Noé, eh bien, et ça ne te do. Qui ça qui t'a précédé déluge là? C'est méchanceté, c'est immoralité, c'est destruction cellule familiale là, c'est immoralité, de vous dire immoralité ou nan homosexualité, ou nan toute qualité de débauche qu'on a gagné, ou qu'on tout ça qui t'a passé Sodome et Gomorre, ou qu'on est yo, eh bien, je dis à yo existé, je dis à toute immoralité qui t'a précédé déluge là, yo tout existé là. Bon progrès de l'iniquité, je dis à la. Ou pas, Weli? Ou pas péché tout partout? Je dis à tout ça que la Bible refuse, ou pas, c'est eux-mêmes qui a la mode? Amen. Donc, c'est eux qui et on était capable de qui cap danser Kalinda, c'est eux qui populaire, c'est eux même tout monde accepté et sous prétexte moins d'eau n'a fait tolérance. Eh bien, un ou pas capable comme ça, l'évangile c'est l'évangile. Donc la Bible dit toute bagaille. La Bible dit toute bagaille, donc Et ça le dit non, le dit clairement, ça a fait, même Jean, il était passé sous Tanoéa. Ça qui est arrivé dans Tanoéa, c'est ça qui a privé tout. La Bible claire. Ça qui est arrivé dans Tanoéa, c'est ça qui a privé tout. Le monde, mon Dieu, voué dans la chair, a vini. Donc, où est là, c'est vrai, l'évangile a péché, et bien, qui s'est passé? J'aurais qui pourtant détendait. Mais les jours arrivés, tout le monde a devant le fait accompli. Le sa pape gen dit sauve-moi, 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 tout le bagage fini.
tout bagay a fini. Parce que l'évangile a un temps pour le prêcher. Et quand jugement est pour le river. Yes. La paix bon Dieu avant. Amen. L'évangile est pour prêcher. L'évangile a un temps pour le prêcher. Mm-hmm. Et il y a un temps qui est pour arriver. Il n'y a pas le temps. Jugement. Il n'y a pas le temps. Jugement. Donc, le temps s'est arrivé. Eh bien, pas bien sauvé. Pas bien dit un mot pour moi. A ou qu'on aime depuis longtemps. Font bagay pour moi, non. A nous te bien, pile. Bon, nous te qu'on a la même église. Ou songe. Nous te qu'on adore. Ou pas songe. Ah, il pas bien ça, non. Pas bien te qu'on adore. Ou pas songe, moi. Non, nous te toujours. Nous te toujours l'église là, oui. Désolé. Oui, m'de kon visite nou. Eh ben, pa gen sa. Na ki fè se sa, mes bien-aimés. Non, pasteur, ki fè m'doum se jaye, parce que m'konnen que n'ap viv lan peyi, que l'évangile pa interdit. Et puis, non, c'est pas l'évangile. Le problème, non, c'est pas l'évangile. Yo pa interdit l'évangile. C'est pas interdit l'interdit, non? Mm-hmm. Au ville la c'est pas l'évangile que interdit, non? Mm-hmm. C'est vu activité. Mm-hmm. Est-ce qu'on l'a? Amen. Vu activité, eh bien, dans le niveau que activité a, eh bien, au ville qu'on y a là, obligé. Tant l'ode, tant ap vini. Tant ap vini. Pas maintenant tête que le pape touche. Non, yes, l'ap touche. Mais puisque bon Dieu dit nous dans Ecclésias, les fixe yon, yon temps pour chaque bagay fait sous la terre, chaque bagay gen l'œil. Gon temps, li gen l'œil, eh bien, gon l'œil kap vini, tout côté ap touche. Tout côté ap touche. Jean le doit toucher. Vous comprenez? Amen. Donc c'est ça. Tant que vous arrivez. Tant que vous arrivez. Donc la fête. Amen. Amen. La question bien aimée. Merci Seigneur. Yeah. Donc, nous plus ou moins bien-aimés capter si temps de la fin, pas vrai? Amen. Très bien. Donc, c'est ça qui est important pour nous bien saisir et l'autre du Cabini, on a continué, avec l'autre aspect la dani. Il y a l'autre aspect pour nous toucher, pour nous capables de saisir et tant bien pour pas gagner confusion, pour nous-mêmes, pour nous très très clair. Lorsque on a parlé de retour, lorsque on a parlé d'enlèvement, lorsque on a parlé de grande tribulation, lorsque on a parlé de abomination, lorsqu'on a parlé jugement. De abomination. Pardon? Jugement. On a parlé de jugement, exactement. Fort pour nous connaître qui s'en a dit, pour pas gagner confusion, pour nous connaître exactement chaque s'en a dit, nous connaître s'en a dit. J'en lié de à confusion à tous les niveaux, toute bagaille mélangée. Non. Pour nous, nous connaître exactement s'en a dit. Amen. Et bien de chronologie événement yo pour nous connaître la chronologie événement yo la Bible by chronologie et n'a bail par ordre chronologique pas c'est des monde qui fait le tout en bouillon non il pas bouillon il y a un ordre pour le respecter et son ordre chronologique la Bible prévoit tout ça mes bien-aimés bon ensemble d'événements
bon ensemble d'événements et ensemble d'événements ça yo suivent yo répondent à un ordre et n'a pas le bon yo la Bible ba nou yo répondent à un ordre et c'est ça pour nous connait ordre chronologique des événements de la fin. Oh yes. Amen. Qui est extrêmement important que c'est ça qui trouble tout chrétien. Yo parle de toute bagaille mais toute bagaille mélangée. Non, yo pas qu'à faire comme ça. Ça fait fort. Ou séparer yo ou ba yo Jean la Bible ba Elia. Donc, yo ça fait toute bagaille font seul. Bon, est pas vrai. Yes, yes. Il n'est pas ça, et ça fait une confusion. Mm-hmm. Et ça fait une confusion, ou pas de moyen pour une confusion. Pas de moyen pour une confusion, parce que la Bible nous tout bagaille. C'est nous-mêmes qui est pour obéir, qui pour soumettre nous à l'instruction Saint-Esprit, qui pour diriger nous dans la direction qui bon hein, pour le nous bonne voie pour nous capables baili dans Jean nous de baili. Amen. Yes. Amen. Et pas Jean nous voulait, mais c'est Jean Saint-Esprit voulait que nous baili. Parce que nous faites pour nous connaître vérité là parce que c'est lui-même qui a franchi nous. Le nous connaît, c'est lui qui a fait nous pas esclaves aucun menteur. Nous pas esclaves aucune doctrine, nous pas esclaves aucune religion, nous pas esclaves aucun trompeur, nous pas esclaves aucun faux prophète. Amen. Mais si vous pas connait vérité, eh bien ou déjà parti ou esclave. Et ça fait pour rester dans vérité, c'est lui-même qui a fait libre. Amen. Amen. Merci Amen. Seigneur. Amen. Donc c'est comme ça mes bien-aimés. C'est un plaisir pour nous être ensemble. Nous contents que nous te répondre présent et nous te très actifs dans une soirée d'études bibliques qui c'est nous te parler au sous signe des temps de la fin. Et nous sommes certains que par la grâce de Dieu, ou t'es béni. Amen. Et que on va mettre étude ça en pratique et on va partager à tout le monde que bon Dieu va mettre sous cœur, on va prendre responsabilité pour partager tout ça que ou apprendre toute vérité que on connaît et mais on va partager. On attend tout demain pour premier jour bien-aimé ma semaine d'action de grâce. Amen. Attend tout le monde. Qu'on est capable de faire une bonne semaine, mes bien-aimés, d'action de grâce. Ma semaine d'action de grâce, n'a pas démarré le demain. Donc, yon dit l'autre, invitez moun, chaque matin, 6 heures, pour nous venir dire, bon Dieu, merci, pour tout ça le fait pour nous, mes bien-aimés. Ceux qui t'aiment, n'a pas fait li. Ceux qui t'aiment, eh bien, t'aiment Anessa. C'est à cœur content. C'est pour nous dire papa, merci. À cœur content, c'est pour nous dire papa, merci. Nous joignons dans Colossiens 1er, le verset 12. Merci Seigneur. On nous dispose le cœur, nos bien-aimés. Pendant que nous avons demandé à la sœur Paulette, pour lui faire un coup de prière final pour nous et nous retourner pour nous bénir. Merci Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, il n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu tout puissant, Dieu de miséricorde, Dieu de bonne compassion, nous bénissons, nous exaltons, nous voulons que nous commençons, parce que vous dîmes de gloire, vous dîmes de louange. Jésus de te manifester, Seigneur. Nous disons merci pour grâce, nous disons merci pour faveur, nous disons merci pour compassion qu'on vient envers nos papas chéris. Nous pas mérité le monde pour nous, Seigneur. Nous disons merci. Une fois de plus encore, nous demandons pardon pour péché, nous, pour iniquité, nous, pour transgression, nous. Tout ce qui ne fait pas bon devant nous, Seigneur. Parce que nous reconnaissons que c'est péché, nous, et nous péchons par pensée, nous péchons par action, papa. Nous demandons pardon.
Éternel, du trois fois, c'est une fois de le prix. Nous disons merci, Éternel, pour lecture, ça, Seigneur, du trois fois, c'est pour apprendre à connaître les signes de la fin, Éternel, du trois fois, c'est. Papa chéri, nous demandons, avec le don du Saint-Esprit, on va mettre dans la vie, nos seigneurs, afin que nous sommes capables de reconnaître les faux prophètes, Éternel Dieu. Et ça nous apprend là, Seigneur, nous va partager avec l'autre, qui ne connaît pas l'Éternel Dieu trois fois, c'est. Parce qu'on met des paroles nous dans nous-mêmes pour ne pas pécher contre nous-mêmes. Seigneur Dieu, toi, passe, nous disons merci pour serviteur, pour déplacer, pour mettre des paroles en dedans, nous, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, va bénir, on va garder, on va protéger, on va diriger, Seigneur Dieu, toi, passe. On va couvrir l'embarmanteau de grâce, on va couvrir famille, madame, les petites, l'éternel Dieu, on va garder l'éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous demandons, éternel Dieu, trois fois saint, dans le nom de Jésus, on va mettre plus dans lui-même, Seigneur, pour le capable de nous, éternel Dieu, trois fois saint. Nous demandons source de vie pour lui-même, éternel Dieu. Bon, sauvez-nous, papa, nous qui dans le ciel là, nous levez tout le monde qui souligne devant. Papa chéri, qui t'a pris des paroles, qui t'a participé là, dans l'éternel Dieu, trois fois saint. Nous demandons, on va garder au Seigneur, on va mettre paroles là dans la vie, éternel Dieu, trois fois saint, afin que vous ne pas péchiez contre vous-même, Seigneur. Dieu trois fois saint, gardez-nous, soulignant, protégez-nous, dirigez-nous. Éternel Dieu trois fois saint, une semaine nous pralvini éternel, on va faire une semaine de bénédiction pour nous, Seigneur, une semaine que nous va apprendre et nous va puiser dans ce cela, éternel Dieu trois fois saint, afin que vous nous bénissiez l'autre. Mais nuit ça, nous nous venons, mon Seigneur, côté nous pour entrer au plus profond de la mort. Nous demandons, papa chéri, on va protéger nous. Ou va garder nous, Seigneur, ou va épargner nous de l'autre là, Seigneur, du trois fois saint. Ou va couvrir nous, éternel Dieu, trois fois saint. Le sang de Jésus va couvrir chaque monde qui souligne à souhait ça, Seigneur. Amen. Afin que demain matin, nous capables de lever pour nous boire gloire, honneur, qu'on même seul mérité. Papa chéri, nous demandons grâce, nous demandons bénédiction. Nous prions dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen, merci Seigneur, alléluia, que ton nom soit béni, alléluia. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur. Que l'amour du Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la douce communion du Saint-Esprit restent et demeurent sur chacun de nous.